doucement ta ferraille de merde. Maintenant recule, Connor. Et je l'épargnerai. Désolé, Connor. C'est ton salopard de frère jumeau, là. La vie de cet homme est entre tes mains. Tu vas devoir décider de ce qui compte le plus. Lui ou la Révolution. Surtout, l'écoute pas. Je te jure que tout ce qu'il raconte, c'est des conneries. Je suis désolé, Hank. Vous n'auriez pas dû vous mêler de tout ça. Fais pas attention à moi, fais ce que t'as à faire. Avant, j'étais comme toi. Je croyais que seule ma mission importait. Et puis un jour, j'ai compris. C'est très émouvant, Connor. Mais je ne suis pas un déviant. Je suis une machine conçue pour accomplir une tâche. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Assez discuté! Il est temps de choisir qui tu es. Vas-tu sauver ton partenaire? Ou vas-tu le sacrifier? D'accord, d'accord. Tu as gagné. Merci, Hank. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Allez-y, tirez, on n'a pas de temps à perdre. Hank, c'est moi. Je suis le vrai Connor. L'un de vous est mon partenaire. L'autre n'est qu'un vieux sac à merde. Reste à savoir qui est qui. Qu'est-ce que vous faites, Hank? Je suis le vrai Connor. Donnez-moi votre arme, je vais lui régler son compte. Et si vous nous posiez une question, dont seul le vrai Connor connaîtrait la réponse? Où est-ce qu'on s'est connus? Au Jimmy's Bar. J'en ai visité quatre autres avant de réussir à vous trouver. Nous sommes allés sur une scène de crime. La victime s'appelait Carlos Ortiz. Il a téléchargé ma mémoire. Comment s'appelle mon chien? Sumo. Votre chien s'appelle Sumo. Je le savais, moi aussi. Mon fils, c'est quoi son nom? Cole. Il s'appelait Cole. Il venait d'avoir 6 ans quand l'accident est survenu. Ce n'était pas votre faute, lieutenant. Un camion a dérapé sur le verglas, votre voiture a fait un tonneau. Cole devait être opéré, mais aucun chirurgien humain n'était disponible. C'est un androïde qui s'en est chargé. Cole n'a pas survécu. C'est pourquoi vous haïssez les androïdes. Vous pensez que l'un des nôtres a causé la mort de votre fils? Non, Cole est mort parce qu'un chirurgien était trop défoncé à la Red Ice pour pouvoir opérer. C'est lui qui a provoqué la mort de mon fils. Lui et ce monde pourri où personne n'arrive à se consoler sans un sachet de poudre. Je savais aussi pour votre fils. J'aurais dit exactement la même chose. Non, ne l'écoutez pas, Hank. C'est moi qui suis le... J'ai beaucoup appris depuis qu'on s'est rencontrés. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Peut-être que t'es vivant. C'est peut-être vous qui rendrez le monde meilleur. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Oh.
Réveillez-vous! Réveille-toi.